Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous ma routine du matin pendant les vacances. Vous savez, pendant les vacances, rien n'est respecté. On se réveille quand on veut. On passe directement au ménage. Pourtant, pendant les classes, quand on se réveille, la première des choses à laquelle on pense, c'est de vite faire pour laisser les enfants à l'école avant de penser au ménage. Mais pendant les vacances, c'est tout autre chose, c'est le désordre. On se réveille tard, il y a même des jours où on ne fait pas le ménage. On n'a pas de pression. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que je vais faire cette matinée-là jusqu'à la cuisine. Donc là, je commence par sécher le linge de la veille qui n'avait pas séché. Entre temps, j'ai un autre en train de tourner dans la machine. Après, je vais aller l'enlever. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé ma chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une vidéo. S'il vous plaît, ne partez pas sans me laisser un commentaire. Et j'aimerais également vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. À mes anciens abonnés, je vous dis merci. Merci pour votre soutien depuis le début. Merci pour vos prières et vos encouragements. Que Dieu vous rende. Quand je retire le linge de la machine, avant d'aller sécher pour gagner en temps, je mets directement le prochain linge, donc je remplis directement la prochaine machine. Et les habits sortis de la machine, je vais aller ajouter ça sur le sèche-linge. Le sèche-linge a déjà quelques vêtements de la veille aussi qui n'ont pas séché. Donc je vais porter tout ça et mettre à l'extérieur. Vu que mon balcon de derrière, j'utilise pour allumer souvent le feu de charbon, je ne pose pas mon sèche-linge là-bas. Je préfère le mettre devant. Donc je vais aller ranger un peu tout ce qui est sur le sèche-linge et ajouter ce que je viens de retirer de la machine. Et pendant que je faisais ça, j'ai constaté qu'il y avait quelques vêtements qui avaient séché à l'intérieur. Donc je vais enlever ces vêtements-là et ajouter ce qu'il faut sécher. Ensuite, je reviendrai faire le rangement au salon. Le ménage du salon ne sera pas grande chose. Il suffit ici juste que je débarrasse tout ce qui n'est pas à sa place. Vu que mon ordinateur était là, j'avais travaillé à la veille, j'ai tout abandonné là-bas, je suis partie dormir. Donc je vais juste débarrasser, bien remettre les coussins sur le canapé, enlever tout ce qui n'a pas sa place au salon et le salon sera ok. Pas besoin de balayer le sol parce que la nuit, mes vacanciers ont balayé. Tout ce que j'ai à faire, c'est le rangement. La base du ménage même, c'est le rangement. Quand tout est ordonné, chaque chose est à sa place. On a l'impression que toute la maison est propre, même quand le sol n'est pas lavé.
Après ce ménage au salon, je vais venir retirer du congélateur ce que je vais cuisiner. Et là, c'est le gombo avec le couscous de manioc. Quand je sors le gombo congelé, je vais directement mettre dans de l'eau pour que ça dégivre. Je sors aussi le poisson. Je mets ça de côté, donc j'entame avec le petit déjeuner. Là, ça sera juste mon mari et moi parce que les enfants sont en train de dormir. Pendant les vacances, les enfants dorment tard et ils se réveillent aussi tard, parfois 10h, 10h30. Du coup, on profite du fait qu'ils sont en train de dormir pour manger. Et quand ils vont se réveiller après, on va s'occuper d'eux. Et là, avec les autres vacanciers, c'est le jeu. Jeu sur jeu. Du coup, quand ils dorment vraiment. Là, je vais faire les omelettes. Et comme je n'utilise plus de cubes ou alors de quoi, Maggi, bon, ça dépend de comment vous appelez. J'ai pris maintenant l'habitude d'assaisonner mes omelettes avec les épices. Donc, je mets un peu de curry et un petit mélange d'épices pour poisson. Pour que ça assaisonne. Et croyez-moi, c'est vraiment bon. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube, je ne me souviens plus trop laquelle. C'était une chaîne quand même cuisine où j'ai vu comment on assaisonne les œufs et j'ai dit je vais essayer. Quand j'ai essayé, j'ai plutôt constaté que c'était bon. En réalité, les œufs sans cube, c'est souvent mouche. Les œufs uniquement avec le sel, c'est souvent mouche. Mais les assaisonnements viennent changer tout ça et ça rend les œufs Nyanga. Chaque fois que je fais les œufs dans la large poêle-ci, au moment de tourner, c'est le calvaire. Mais je l'aime parce que ça ne colle pas. Ça ne colle pas, c'est juste trop large. Et comme ma petite poêle, le manche s'est cassé, ma poêle bleue là, qui était très facile à utiliser, le manche s'est cassé. Ce n'est pas évident de faire les œufs dedans. Mais bon, on finit toujours par réussir et c'est bon à manger. Je vais également chauffer le gâteau qu'on avait à la maison, qu'on avait acheté la veille. Et mon mari, lui, va se servir, va mettre le beurre dans le gâteau. Et moi, comme je suis au régime, j'ai donc décidé de ne plus manger gras. On verra bien si je vais y arriver. Donc là, je vais manger le manioc avec deux prunes. J'ai aussi pris un peu de gâteau, mais finalement, je n'avais pas tout mangé. Donc, voilà. Mais honnêtement, le poids, c'est la nourriture. J'ai réduit un peu la nourriture. Je me suis rendu compte que avec le sport que je fais, un peu de marche, le poids diminue un peu. Bref, je me sens moins lourde. Maintenant, je vais venir nettoyer le poisson que j'avais prévu pour ma sauce. Et mon mari, lui, s'est apprêté pour sortir. J'ai donc tout apprêté, ce qu'il me faut pour ma sauce gombo. Le gombo a déjà dégivré. Et là, je vais tamiser mon couscous. Le couscous de manioc qui se cuisine dans de l'eau bien bouillante à 100 degrés. Il paraît que ce couscous n'a pas vraiment de vitamine. Hein. C'est la sauce qui est associée à ça qui a la vitamine. Bref, je ne sais pas trop. Parce que le manioc est trempé, séché, écrasé, tamisé. Je ne sais vraiment pas s'il y a encore grande chose dedans. Bref, après c'est même cher. Vous allez vous rendre compte que je prépare beaucoup le gombo parce que le gombo c'est quelque chose que mes enfants mangent bien et moi ça m'arrange parce que c'est un repas qui est moins coûteux, vraiment moins coûteux. La sauce de gombo est l'une des sauces les moins coûteuses de toutes les sauces. Donc là, mon eau ayant bouilli, j'ai fait bouillir dans la bouilloire pour que ce soit plus rapide. J'ai tourné dans la marmite, donc deux tours de bouilloire.
et j'ai fait brancher un autre tube qui va m'aider à tourner le couscous. Donc, je verse ma poudre de manioc à l'intérieur et je me mets à tourner. Après, je dépose, je tourne jusqu'à ce que ça prenne. En plus, ce n'est pas une grande quantité. C'est quand c'est une grande quantité que c'est fatigant, ça peut même rater, ça peut faire les boules. Du coup, je préfère tourner les petites quantités. On mange le premier jour et le lendemain, je tourne encore un peu, vu que nous sommes actuellement 6 à la maison. Pendant que le couscous est en train de cuire, parce que quand je tourne, je mets encore un peu d'eau dedans, je laisse au feu, ça bout un peu, puis je reviens tourner. Donc pendant que c'est au feu, je vais venir nettoyer tout le bazar que j'ai créé en tamisant le couscous. Et je vais commencer à découper ce que j'ai comme condiment pour faire la sauce. Puis je vais aller enlever mon couscous pour le conserver dans le thermos afin que ça reste chaud. Parce que le couscous est mieux quand c'est chaud. Maintenant que le couscous est donc dans le thermos bleu que vous avez vu à côté là, je vais venir terminer d'apprêter ce qu'il faut pour la sauce. J'ai découpé tomates, oignons, poireaux, poivrons. Maintenant, je vais écraser piment, écrevisses, ail, anis vert, parce que l'anis vert est vraiment top dans la sauce gombo et la sauce pistache gombo. Faire le gombo sans huile. Depuis que l'huile est assez chère, je cuisine tellement de sauces sans huile. Sauce d'arachide blanche, sauce d'arachide grillée, sauce gombo. Je vais tout mettre dans la marmite, tout ce que j'ai découpé. Je vais mettre le sel, je vais mettre de l'eau. Je vais faire bouillir pour sécher un peu l'acidité de la tomate qui est à l'intérieur. Ensuite, je vais venir mettre ce que j'ai écrasé et continuer la cuisine. En tout cas, vous verrez. Mais quelque chose que je tiens à dire, c'est que pendant que je travaille à la cuisine, j'évolue avec le ménage au fur et à mesure pour qu'à la fin de la cuisine, ma cuisine ne soit pas saturée de saleté. Donc, je nettoie au fur et à mesure. À la fin, on ne sait même pas que quelqu'un était en train de faire quelque chose. Donc, à chaque moment creux, à chaque fois où je ne fais pas forcément quelque chose, je nettoie. Comme je vous ai dit, j'ai donc laissé sécher tomates condiments et j'ai mis tout ce que j'avais écrasé. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Quand ça va bouillir, je vais mettre le poisson, puis je vais mettre le gombo et laisser bouillir tout simplement. Et aussi, j'ai ajouté un peu de poivre blanc. Copines qui m'ont demandé de montrer comment je fais ma sauce gombo, j'espère vraiment que je viens de bien vous expliquer.
Donc voilà l'état de la cuisine. Tout est quand même rangé et propre. Tout ce qui est sale, j'ai débarrassé et mettre dans ma bassine. Les vacanciers vont laver. Là, je vous montre donc la technique pour que quand la sauce bout, elle ne se verse pas. Vous posez votre spatule comme ça dessus. Ça va monter et s'arrêter à la spatule. Et pour réussir ça, il ne faut pas mettre trop de feu. Parce que s'il y a vraiment, vraiment beaucoup de feu, ça va quand même se verser un peu. Mais ça ne va pas se verser la même quantité que lorsqu'il n'y a pas de spatule. Donc voilà, tout est rangé et notre sauce sera prête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour me soutenir. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!